Il n'y a pas de problème de santé particulier. Non, non, tu sais, au début, là, la première année, il y a eu de gros problèmes d'otite, mais je pense que le premier veto ne l'avait pas bien soigné. Il y a eu quand même 6 mois de traitement, mais il n'a pas eu d'otite. Maintenant que je surveille, je renifle ses oreilles tous les mois. Et tu nettoies régulièrement, Et ouais. je Ouais. les nettoie. François, il a son chien déjà depuis un certain temps. Depuis combien de temps tu l'as? 3 ans. 3 ans, voilà. Donc, dans le cadre du suivi, donc on prend contact avec les équipes qu'on forme pour voir un peu l'évolution, voir s'il y a des problèmes des problèmes à résoudre, si ça évolue correctement, voilà. Il est hyper sociable, ce qui est quand même une difficulté. Il voit une dame dans la rue qui lui sourit, il s'arrête, il va la voir. Un petit gamin, il va les voir. C'est le revers de la médaille. Ouais. Ça fait 15 ans que j'ai un chien. Je suis aveugle complet depuis une vingtaine d'années et au bout de quelques années, j'ai décidé de faire une demande pour un premier chien que j'ai gardé jusqu'à l'âge de 12 ans. Après, il était moins performant, il a fallu que je m'en sépare. Et puis, à nouveau, j'ai eu ce chien il y a 3 ans. Voilà. Et c'est vrai que les rares fois où j'ai pas le chien, où il faut prendre la canne, c'est pénible, quoi. Bien. Allez. Bon, allez en avant, Velvette. On y va. On va aller se promener. Je fais à peu près 4 ou 5 km par jour. Moi, j'aime marcher. De toute façon, je fais de la randonnée. Le chien a besoin de marcher, d'exercice. Et puis, de toute façon, j'ai besoin de sortir pour mes déplacements. Tout droit le trottoir. Tout droit le trottoir. Allez, cherche la porte. Cherche la porte, Velvette. La porte. Très bien. Doucement. Voilà. Doucement. Ici, on est dans l'enceinte de l'école des chiens guides. Sur notre droite, on a les courettes de détente. En face de nous, les terrains de détente où sont sortis les chiens. Ils sont sortis 6 fois par jour en fait en détente dans ces terrains clôturés en herbe. Donc, ça leur permet de courir, de se jouer, de se défouler, de jouer entre eux essentiellement, quoi, voilà. Et sinon, après, le reste du temps, ils sont en travail avec nous sur des ateliers. Soit ils sont en ville pour apprendre leur travail, leur métier de chien guide d'aveugle. Alors, le chien, il arrive ici, il a 2 mois et demi. Donc, généralement, il vient d'un élevage qui est interne au chien guide d'aveugle, qui se trouve à Le Zoo, à côté de Clermont-Ferrand. Donc, il arrive ici à 2 mois et demi, il est directement placé dans une famille d'accueil qui va l'héberger jusqu'à son placement en déficient visuel. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. Éthique. Alors il va bien? Très bien, la preuve. On l'a eu il avait à peine 2 mois. C'est mignon, oui. On a assisté à une journée portes ouvertes. Et vu le travail qui a été fait et tout, on s'est mis dans une situation aussi de non-voyant. Donc on a trouvé ça formidable. Donc en fait, on a dit pourquoi ne pas aider Éthique. Allez, viens. Hop. Assis, Éthique. Assis. C'est bien de bien, très bien. De bien contourner pour. Allez, que viens. Le chien soit bien en ligne après quand. Allez, on viens. Le chien, donc, il arrive d'un élevage à 2 mois et demi, donc c'est un bébé, hein, il a besoin de se construire. On ne met pas un enfant de 3 ans au collège, donc voilà, dans l'idée, c'est ça, quoi. Il a besoin de grandir, il a besoin d'évoluer.
Et la famille d'accueil donc, joue un rôle essentiel dans l'évolution et c'est une grande étape au niveau de la construction du chien guide, notamment bon, pour tout ce qui est socialisation, les sorties en ville. Voilà, si on a la laisse en main droite, on peut ramener un peu plus facilement sur le devant et tout ça. Quoi. Éthique, allez, en avant. Il faut ainsi que les chiens à démarrer. Bon, on n'est pas parfait loin de là. Oui, on a toujours peur de mal faire en plus. Ouais, bah oui, c'est vrai qu'il y a ouais. Les familles, elles ont beaucoup ce sentiment là. C'est un acte bénévole au niveau de la famille d'accueil. Il y a peu de contraintes financières puisque l'école assume tous les frais au niveau du chien. Donc on fournit tout le matériel, donc les corbeilles, les colliers, la nourriture, c'est un approvisionnement qui se fait au niveau de l'école des chiens guides. Et puis après, donc les frais vétérinaires aussi sont pris en charge par l'école. Ce qu'on va demander essentiellement à la famille, c'est de passer du temps avec le chien. Il est mignon, il écoute. Il est marrant surtout. Pourquoi ? Parce que des fois il joue au pompier. Il prend le tuyau d'arrosage et s'amuse avec. Il faut que ce soit un chien irréprochable parce que c'est un chien qui va être amené à aller partout et puis bon, dans la maison qui se comporte correctement et puis dans la société en général. Et puis après, la différence, bah, c'est le guidage. Hein. C'est un chien qui apprend un travail particulier. Et il faut à peu près 7 mois de travail de façon continue sur le chien, donc toutes les semaines, pour arriver à former un chien guide d'aveugle. À condition qu'il ait bien été préparé avant. Voilà, déjà, c'est plus gratuit la récompense. C'est-à-dire que le chien, il va falloir qu'il comprenne. Voilà, il y a une action à faire pour obtenir sa récompense. Nous, à la base, on construit tout de A à Z, hein, parce qu'il n'y a absolument rien de naturel dans ce que le chien il va faire après en ville, c'est-à-dire éviter les obstacles, s'arrêter à des bordures de trottoir, se positionner dans des carrefours, aller rechercher des lignes, etc. Il y a toute une attitude que le chien doit acquérir au niveau du travail. Viens ici. Là, on va aller directement sur site, en fait, à travailler. Alors après, on choisit le quartier un petit peu et les rues par rapport à ce qu'on veut mettre en place avec le chien. Voilà, Eclipse monte. Voilà, c'est bien. Et donc, généralement, on prend 2-3 chiens et puis ils sortent chacun leur tour. Devant. Allez, en avant. Donc l'important, en fait, pour moi, là, c'est que le chien, il soit toujours en contact avec moi, c'est-à-dire qu'il ne se perturbe pas par rapport à l'environnement extérieur. Cela, ce n'est pas les odeurs qui manquent en fait. Hein. Donc si je le laissais faire, là, il irait sniffer tout le long du mur, tous les autres chiens qui sont passés, les odeurs des détritus, enfin tout ce qui traîne. Donc voilà, je lui parle, je suis présent pour qu'il ne se disperse pas et qu'il reste avec moi dans le travail. Allez, en avant, c'est bien. Hein, je fais comme si j'étais déficient visuel, c'est-à-dire je ne sais pas ce qu'il y a devant. Alors là, je sens qu'elle bloque. Allez, Eclipse, allez, en avant. Allez tout droit, en avant. Voilà, c'est bien. Hein, c'est-à-dire que là, le déficient visuel, il doit sentir que la chienne, elle ne peut pas continuer tout droit, elle a bloqué. Et elle me présente la bordure. Donc, a priori, je mets la main. Ouais, c'est bien, Eclipse. C'est bien, t'es un beau chien. C'est bien. Je sens, voilà, il y a des barrières. Hein, je fais le déficient visuel. Hein, j'imagine que je vois, je ne sais pas trop ce qui se passe. J'ai compris qu'il va falloir que je descende sur la rue pour éviter l'obstacle. Mais c'est pas le chien qui prend l'initiative de se lancer sur la rue parce que c'est dangereux. Ça fait partie du contrôle du déficient visuel, d'écouter la circulation. C'est comme une traversée de carrefour. À partir du moment voilà, où le déficient visuel estime qu'au niveau circulation, on peut se lancer, Eclipse, allez, en avant. Et le travail, eh ben, tu serres à droite. Le chien il est remis gratuitement au déficient visuel. Après, la personne a quand même la charge de l'entretenir, son chien, donc frais de nourriture, frais vétérinaires, etc. Mais voilà, il est remis gratuitement, il reste propriété de l'association. Après, l'école, financièrement, elle est gérée. Alors, il y a du personnel qui s'occupe de ça. Il y a une secrétaire comptable, une attachée de communication qui travaille pour l'école des chiens guides. Et donc, ce sont essentiellement des dons et des legs. Il y a très, très peu de subventions, voire quasiment pas. Donc, des dons et des legs qui font que financièrement, voilà, on puisse former des chiens, donc avoir ses locaux, les voitures, entretenir les chiens, payer le personnel qui s'en occupe, etc. Quoi. Très, très affectueux, très attaché à moi. Souvent, il se met là, il s'assoit et il me regarde. Je sais qu'il me regarde. Je ne pense pas qu'il ait conscience que je ne le vois pas. Enfin, c'est une relation un peu très fusionnelle malgré tout. Hein. C'est obligatoire.
C'est un outil, mais pour que l'outil fonctionne bien, il faut qu'il y ait une part affective importante.